Vous le voyez, on n'y est pas. Alors, je compte sur vous. À la faveur du 50e anniversaire de son entrée à l'Élysée, je vais vous parler aujourd'hui de Georges Pompidou. Georges Pompidou qui apparemment a laissé un bon souvenir aux Français, puisque l'époque correspondante à son mandat, eh bien, elle est perçue comme une époque de prospérité, de paix, loin des grandeurs de la période gaulliste qui l'avait précédée, et une certaine nostalgie donc s'exprime par les temps qui courent à propos de cette séquence de notre histoire nationale. Alors, qui était Georges Pompidou, fils d'instituteur, petit-fils de paysan, né en 1911 à Montboudif dans le Cantal, il va correspondre tout à fait au modèle de méritocratie mis en place par la Troisième République. Avec quelques vagues sympathies pour la SFIO dans sa jeunesse, il va surtout se retrouver en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand pour entrer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. C'est chose faite en 1931 et trois ans plus tard, en 1934, il est major à l'agrégation de lettres classiques. En parallèle, il faut signaler, c'était peu courant à l'époque pour un normalien, il suit les cours de l'école libre des sciences politiques. Service militaire à Saint-Mexant puis à Clermont-Ferrand. Il se marie avec Claire Cahour, Claude Cahour, fille d'un médecin de Château-Gontier, qui sera la compagne de toute son existence, qu'il avait rencontrée quand elle était étudiante en droit. Commence ensuite la carrière professionnelle. Il va se retrouver à Marseille pendant trois ans. C'est sa première nomination au lycée Saint-Charles. Il commence à travailler à une thèse consacrée à Barbey de Revilly, mais c'est un projet qui restera sans suite. Puis en 1938, il est nommé au lycée Hoche de Versailles, peut-être grâce à l'intervention de Joseph-Paul Boncourt, que connaissait un ami de son père. Mais ce poste de Versailles, il ne l'occupera jamais puisqu'il fait un échange avec un collègue, ce qui va lui valoir de se retrouver au lycée Henri IV dans le 5e arrondissement. La guerre mondiale arrive en 1939, il est mobilisé comme sous-lieutenant au 141e régiment d'infanterie alpine. Il va faire la guerre, ce qui lui vaudra la croix de guerre, d'ailleurs une décoration, car dans la retraite générale, dans le désastre général de 1940, son unité s'est plutôt bien comporté au cours de sa retraite sur Limoges, vers le sud. Là-dessus, le conflit cesse pour la France, on le sait, à la fin juin 40. Il va rester au lycée Henri IV et adopter une attitude que certains jugeront plus tard attentiste. On ne lui connaît pas de sympathie particulière pour la Révolution nationale promue par le maréchal Pétain, mais pas plus de sympathie pour la Résistance ou pour ce qui se passe à Londres ou à Alger durant cette époque. Il se distingue en cela de son ancien condisciple de Sciences Po, Maurice Schumann, qui sera à Londres, lui, aux côtés du général de Gaulle. Cela dit, Pompidou admire quand même de Gaulle, dont il mesure en 1944 le rôle qu'il a joué pour faire que la France retrouve son rang à l'issue de la guerre qui avait commencé dans des conditions aussi désastreuses, mais il n'en restera pas moins avec une réputation de gaulliste de la 25e heure. Qu'à cela ne tienne,
Vienne via René Brouillet, qui est un ancien condisciple de Louis le Grand et qui est conseiller à la Cour des comptes et en même temps directeur adjoint du cabinet de Gaulle. Il va être chargé de mission dans ce cabinet de Gaulle en 1945. Le général lui reconnaît rapidement de brillantes qualités intellectuelles, de clarté, de précision, d'esprit de synthèse. En fait, il avait demandé à René Brouillet de lui trouver, dit-on, un agrégé sachant écrire. Et évidemment, Pompidou correspondait tout à fait à ce modèle. Il va commencer à établir tout un réseau de relations dans le milieu gaulliste avec Gaston Palevski, Louis Vallon, Claude Mauriac, Étienne Burin-Desrosiers. Mais en janvier 1946, on le sait, le général de Gaulle, en conflit avec l'Assemblée, quant à la nature du régime à venir, le général de Gaulle décide d'abandonner le pouvoir et retourne à Colombey. Quant à Georges Pompidou, il n'a pas du tout envie de retourner occuper un poste de professeur pour faire décliner Rosa Rosae aux enfants des lycées. Il se retrouve maître des requêtes au Conseil d'État et adjoint du préfet Henri Ingrand, qui a été nommé commissaire général au tourisme. Il va donc entrer ainsi dans la haute administration. Et puis, un point intéressant, il va remplacer un de ses collègues au Conseil d'État, Jean Donnedieu de Vabre, à la tête de la fondation Anne de Gaulle, qui avait été créée pour aider l'enfance handicapée. Et Madame de Gaulle apprécie beaucoup son action à la tête de cette fondation, ce qui fait que Pompidou va devenir un habitué de la Boisserie, la résidence du couple de Gaulle à Colombey, les deux églises. Là-dessus, en 1947, le général de Gaulle fonde le Rassemblement du peuple français. Pompidou n'y adhère pas, mais il va faire partie du comité de réflexion qui est censé fournir de la matière doctrinale au mouvement, avec des gens comme Raymond Aron, Louis Vallon, Albin Chalandon, Michel Debré. Donc il s'inscrit quand même dans toute cette mouvance gaullienne. En 1948, il va se retrouver chef de cabinet du général, malgré les réserves des gaullistes historiques, hein, qui le considère comme un résistant de septembre 1944. Mais en revanche, il ne réclame aucun mandat quand il y a la vague électorale de l'automne 1947 qui voit le RPF remporter la mise aux élections municipales. Il n'est élu nulle part. On sait ensuite que le RPF va entrer dans une phase de déclin, notamment après 1951 et la fameuse loi sur les apparentements. Et de Gaulle va finir même par le dissoudre en 1953. À ce moment-là, Georges Pompidou se reconvertit dans la finance puisqu'il va entrer au service du groupe Rothschild, s'entendre très bien d'ailleurs avec le baron Guy de Rothschild, au point de devenir directeur général du groupe Rothschild. Succès total pour le fils d'instituteur, petit-fils de paysan. Nous sommes loin là de la sphère politique, mais il continue cependant à fréquenter la Boisserie, où il rencontre Jacques Foccart, Olivier Guichard, André Malraux, Edmond Michelet, Jacques Soustelle, Jacques Chaban-Delmas, Michel Debré, Louis Ternoir, tous ceux qui seront les acteurs de l'époque du gaullisme de pouvoir. En 1958, il ne participe à aucun complot. On connaît la fameuse formule des 13 complots du 13 mai. Il est en retrait à ce moment-là. Mais en juin 1958, de Gaulle n'en fait pas moins appel de nouveau à lui pour être son chef de cabinet de juin 1958. Et il le restera jusqu'en janvier 1959 avant de retourner à ce moment chez Rothschild. En effet, il refuse l'offre qui lui est faite d'obtenir à l'époque le ministère des Finances. Mais quand en janvier 1959, de Gaulle, qui a été élu président, pas encore au suffrage universel, descend les Champs-Élysées, eh bien, il se fait accompagner par Georges Pompidou, ce qui est évidemment une marque de confiance tout à fait considérable. En attendant, il redevient banquier, en même temps revient à ses premières amours littéraires, puisqu'il va réaliser une anthologie de la poésie française qui fera référence pendant longtemps.
Et puis, on va le revoir revenir au premier plan, au printemps 62, alors que va se terminer la guerre d'Algérie. De Gaulle va l'appeler à Matignon pour remplacer Michel Debré. Et là, Pompidou va quitter pour de bon la banque Rothschild. C'est un départ, cette fois, sans retour. Il va occuper Matignon d'avril 62 jusqu'en juillet 68, c'est-à-dire plus de 6 ans, donc une période tout à fait considérable quand on se rappelle ce qu'était l'instabilité gouvernementale sous la 4e. Alors il est Premier ministre, mais c'est un homme politique un peu particulier parce qu'il n'a jamais été élu. C'est évidemment un peu original. D'autre part également, on voit bien qu'il ne fait pas partie de ceux que l'on considère comme les barons du gaullisme, ceux qui ont des références en matière de résistance ou de France libre, par exemple. Hein. Les choses commencent d'ailleurs de manière assez compliquée pour Georges Pompidou, puisque le général de Gaulle s'est mis en tête de consulter les Français pour obtenir l'élection du président de la République au suffrage universel et modifier dans ce sens-là la constitution de la 5e République. Or, de Gaulle doit faire face à ce moment-là à une opposition multiforme, c'est le fameux cartel des noms au référendum, et le gouvernement Pompidou est mis à ce moment-là en minorité à l'Assemblée, doit démissionner. Cela dit, le référendum a lieu, c'est un succès, les Français acceptent à plus de 60% des voix l'élection du président au suffrage universel, et comme on a dissous auparavant l'Assemblée, il va y avoir des élections générales à l'automne 1962 qui voient un triomphe de l'Union pour la Nouvelle République qui soutient le général de Gaulle. Et Pompidou, à ce moment-là, se trouve confirmé dans ses fonctions. Il apparaît à l'époque comme un exécutant au service du général, qui lui est censé s'occuper de la grande politique, notamment internationale, mais petit à petit se dessine le scénario d'une éventuelle succession, étant donné, par ailleurs, l'âge déjà avancé du général. Il y a des problèmes à gérer toutefois, quand on est à Matignon à l'époque. Il y a les suites de l'affaire d'Algérie, hein, c'est à l'été 62 qu'a lieu la tentative d'attentat du petit Clamart contre le général de Gaulle, et on peut dire que l'affaire d'Algérie ne sera véritablement digérée qu'en 65, après l'échec de Tixier-Vignancourt aux élections présidentielles, et voire en 68, après l'amnistie finalement accordée aux combattants de l'Algérie française. Également, autre problème qu'il faut gérer, c'est en 63, une grève des mineurs interminable qui manifeste une défiance sociale quand même importante dans certaines catégories de la population. Mais Pompidou réussit tant bien que mal à gérer au mieux ces situations. Au point qu'en 64, quand le général de Gaulle est opéré de la prostate, Pompidou assure de fait l'intérim. C'est l'occasion pour lui de répondre au Parlement à François Mitterrand, qui à l'époque développe la thématique du coup d'État permanent depuis un certain temps, et il renvoie en quelque sorte Mitterrand dans les cordes en lui expliquant que l'avenir n'appartient pas aux fantômes comme lui. Et il va ainsi prendre une épaisseur personnelle plus grande, s'affirmer comme un leader suffisamment solide, et ce qui le confirme un petit peu dans son statut de dauphin potentiel. Les élections de 65 arrivent, de Gaulle se fait désirer, annonce tardivement sa candidature, mais surprise, il n'est pas élu au premier tour, hein, il faut 2 tours de scrutin. Certes, le général l'emporte sur Mitterrand au second tour de scrutin, mais cette élection apparaît un peu comme le début d'une fin de règne pour le général, tout simplement pour des raisons d'âge. Cela se confirme en 67 lors des élections législatives. Georges Pompidou est élu, certes, député du Cantal, mais la majorité gaulliste est vraiment minime à l'issue de cette consultation. Il faut attendre les résultats de Wallis et Futuna pour être sûr que la majorité sortante va conserver la majorité.
Pompidou, à ce moment, prend quand même une plus grande autonomie. C'est l'époque où il assure les services de Marie-France Garraud et de Pierre Juillet. Cette autonomie, il va l'affirmer encore davantage l'année suivante avec la crise de 1968. Durant cette séquence, il est clairement contre le recours à la force. Il va chercher à négocier, à sortir de la crise par le haut. Il va être à la manœuvre à partir du 25 mai lors des négociations de Grenelle avec les syndicats, notamment la CGT. Là-dessus, De Gaulle file à Baden-Baden sans que Pompidou soit au courant, ce qui va évidemment être assez mal vécu par l'intéressé. Puis De Gaulle revient, le 30 mai, c'est son appel radiophonique et puis l'immense manifestation des Champs-Élysées qui renverse complètement situation. À ce moment, il conseille à De Gaulle non pas de recourir à un référendum, mais plutôt de retenir le scénario d'une dissolution de l'Assemblée. C'est un bon conseil, puisque les 23 et 30 juin, c'est un véritable raz-de-marée UNR qui l'emporte lors de cette consultation. Raz-de-marée qui s'explique par le fait que le mode de scrutin favorise le parti arrivé en tête, même si le déplacement des voix est relativement limité, eh bien, il suffit de peu de choses pour un raz-de-marée. On aura le même phénomène en 81, après l'élection de Mitterrand. En tout cas, Pompidou a maintenant affaire à une chambre introuvable, quelque part, qui lui est totalement acquise. Hein. Il a été réélu dès le premier tour dans le Cantal. Mais, surprise, il est remercié en juillet, hein, après la crise de mai 68. De Gaulle veut changer de Premier ministre. Peut-être s'inquiète-t-il aussi de la surface qu'a su prendre l'occupant de Matignon. Et De Gaulle fait appel à Maurice Couve de Murville pour remplacer Pompidou, qui est affecté par cette décision, car il n'a pas le sentiment, évidemment, d'avoir démérité. Ce qui va aggraver la situation également. En octobre 68, c'est le déclenchement de l'affaire Markovic, une histoire criminelle, un personnage un peu douteux dont on retrouve le cadavre, sur ce, toute une manœuvre sur fond de photos truquées pour compromettre Claude Pompidou, l'épouse de l'ancien Premier ministre. Et là encore, Pompidou est très déçu, car De Gaulle, dans cette affaire, reste très en retrait et ne lui assure que le soutien vraiment minimum. C'est dans ces conditions qu'en janvier 69, il fait une déclaration à Rome, se posant comme successeur potentiel, à une époque où De Gaulle approche les 80 ans, hein, il a à l'époque 79 ans, et puis Pompidou récidive à Genève au mois de février, ce qui veut dire que pour les Français désormais, le scénario De Gaulle ou le chaos qui avait fonctionné très bien jusque-là, devient obsolète, parce qu'il y a quelqu'un qui a la stature, qui a l'envergure pour prendre la suite et qui a su faire ses preuves pendant la crise de 68. Alors, là-dessus, De Gaulle organise le fameux référendum du 27 avril 69 de réforme du Sénat et consacré à la décentralisation. C'est l'échec, on le sait. De Gaulle immédiatement décide d'abandonner le pouvoir. On va avoir une phase de transition tout à fait inattendue. C'est le président du Sénat, jusque-là parfait inconnu, Alain Poher, qui va occuper l'Élysée, et des élections présidentielles donc vont être organisées en juin 1969. Alors, élection présidentielle qui se présente sous un jour tout à fait nouveau. La gauche est complètement éclatée. Gaston Defferre représente la SFIO. Les générations gauchistes sont présentes avec Michel Rocard du PSU et Alain Krivine de la Ligue communiste. Il y a, face à Pompidou, un candidat sérieux. C'est à
Alain Poher, qui a assuré donc l'intérim à l'Élysée et qui se présente comme candidat, centriste. On connaît les résultats de ces élections. Au premier tour, 45% pour Pompidou, 23% pour Poher, une déception pour ses partisans. Et le seul qui tire son épingle du jeu à gauche, c'est le vieux Jacques Duclos du Parti communiste avec 21%, le malheureux de fer atteignant à peine avec son adjoint Modeste France 5% des voix. Alors au deuxième tour, Pompidou l'emporte nettement 58 à 42% contre Poher. Quelle politique va-t-il conduire? Une politique de continuité par rapport à celle du général de Gaulle en matière de politique étrangère, notamment en matière de politique arabe, ce qui lui vaudra d'ailleurs quelques difficultés lors d'un voyage aux États-Unis en 1970. Des éléments sionistes manifesteront contre Pompidou lors d'un passage à Chicago. Un point également de rupture avec la période gaulliste, c'est 1972, le référendum pour l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Europe. Les Français, avec une participation faible, vont accepter cette entrée de la Grande-Bretagne dans l'Europe, qui n'est pas véritablement un succès pour le pouvoir. Pourquoi Pompidou a voulu cela? C'est pour équilibrer la puissance grandissante de l'Allemagne. Sur le plan de la politique intérieure, il fait d'abord appel à Jacques Chaban-Delmas comme Premier ministre, qui va tenter de mettre en place ce qu'il appelle une nouvelle société, à beaucoup d'égards assez illusoire, même si la politique contractuelle, les bons rapports avec certains syndicats comme FO permettent des progrès sensibles. En 1972, Pompidou va changer de Premier ministre et va faire appel à Pierre Messmer, qui restera en place à Matignon jusqu'à la fin du mandat présidentiel, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Durant cette période, la France se lance dans un énorme effort de modernisation industrielle, dans le domaine nucléaire, dans le domaine des infrastructures autoroutières, des infrastructures éducatives notamment. C'est la période d'apogée des Trente Glorieuses, une mutation extrêmement importante. Il y a toutefois des contestations, ce sont les répliques du séisme de 68, contestation sociale, contestation féministe, c'est le début du débat sur l'avortement. Et puis surtout, la gauche se reconstitue en 1972. Mitterrand a pris en main le PS en 71 à Épinay. En 72, c'est le programme commun d'union de la gauche. Et en 73, la majorité sortante gagne les élections législatives. Mais c'est quand même de justesse. Et surtout, à l'automne 73, la guerre de Kippour fait que le premier choc pétrolier fait démarrer une crise qui va se prolonger tout au long des années suivantes et qui va affecter notamment le déroulement du mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Mais les cinq années de Pompidou, puisqu'il meurt avant la fin de son mandat en avril 1974, ont été perçues par les Français comme une période de prospérité, comme une période de tranquillité, de progrès, et ce qui explique sans doute en partie la nostalgie qu'elles inspirent chez certains aujourd'hui. La dernière fois, je vous ai laissé au début de la guerre anglo-zoulou en vous racontant le désastre de la bataille d'Insandlwana en janvier 1879. Pour venger cette humiliation, de nombreux renforts vont partir d'Angleterre, alors vers l'Afrique du Sud, et évidemment, parmi eux, de jeunes officiers frais et moulus de l'Académie militaire. L'un d'eux, pourtant, ne peut pas partir, car il s'agit du fils de Napoléon III et d'Eugénie de Montijo, le prince Louis-Napoléon Bonaparte, petit-neveu de Napoléon Ier. Il est âgé de 23 ans et vit en exil avec toute sa famille depuis la chute du Second Empire. En effet, Napoléon III, l'impératrice Eugénie et leur fils sont les hôtes de l'Angleterre et de sa souveraine, la reine Victoria. Napoléon III ne va pas survivre longtemps d'ailleurs à cet exil puisqu'il meurt en 1873.
Le jeune Louis-Napoléon est bien conscient de son héritage et des devoirs qui lui incombent. Il veut se montrer digne de son nom et se considère soldat par naissance. Il a d'ailleurs été élevé dans le culte de l'armée et il a déjà connu le baptême du feu à la bataille de Sarrebruck en 1870, où son père l'avait emmené. C'est ainsi qu'il écrit à l'un de ses camarades « Lorsqu'on appartient à une race de soldats, ce n'est que le fer à la main qu'on se fait connaître ». Depuis l'âge de 16 ans, c'est-à-dire depuis 1872, il suit les cours de l'école d'artillerie de Woolwich en qualité de cadet à titre étranger. Il y acquiert une solide formation et quitte l'école en 1875, mais comme prince étranger, il ne peut servir dans un régiment anglais. La vie mondaine qu'il va suivre désormais ne répond absolument pas à ses rêves de gloire. Il cherche à servir. Tout d'abord au Tonkin, mais la République française lui refuse ce droit. Ensuite, il espère combattre les Turcs en Bosnie-Herzégovine dans l'armée autrichienne, mais là c'est l'empereur d'Autriche qui lui refuse aussi. Alors quand le jeune Louis-Napoléon voit ses camarades de l'Académie militaire partir en Afrique du Sud pour corriger les Zoulous, il veut évidemment être de l'expédition. Le 17 février 1879, il va lui-même à Londres pour remettre en main propre au ministre de la guerre, Lord Cambridge, sa demande d'un engagement pour la campagne qui commence au Zoululand. Il se prépare à partir avec grand enthousiasme. Enfin, il va connaître une zone de combat. Il écrit même à l'un de ses camarades qu'il part bientôt pour l'Afrique du Sud. Pourtant, quelques jours plus tard, il reçoit un refus poli mais ferme de la part du ministre. Le prince est effondré. Il va alors supplier sa mère de demander directement à la reine Victoria d'intervenir en sa faveur auprès du ministre. Et Eugénie va céder devant la peine de son fils. Son amour maternel va être la cause de son plus grand malheur. Le 24 février 1879, le duc de Cambridge donne enfin l'autorisation au jeune officier de s'engager pour la durée de la campagne en Afrique du Sud. Louis-Napoléon est fou de joie. En revanche, si le cabinet a donné son autorisation, s'il a obéi au souhait de la reine Victoria, il n'a pas l'intention d'envoyer le prince en première ligne et de l'exposer au moindre risque. Louis-Napoléon doit rejoindre l'état-major du général Chelmsford en tant qu'observateur. Il aura à peine le droit de porter l'uniforme et en tout cas n'aura aucun commandement. Il embarque le 27 février 1879 à Southampton sur un gros navire de transport à roues, le Danube. Il est juste accompagné par un serviteur. Après un mois de voyage, il arrive au Cap, où il est accueilli en grande pompe, avec des cérémonies, des bals, tout cela. En revanche, très peu de temps après, il demande à rejoindre l'état-major de Chelmsford à Durban, mais le général est absent pour 15 jours. Louis-Napoléon doit encore patienter. De toutes les façons, il attrape une fièvre tropicale qui le tient alité une dizaine de jours. Ce n'est que le 25 avril qu'il peut encore, à moitié malade, se présenter devant Lord Chelmsford, auquel il remet une lettre du ministre de la Guerre. Dans cette lettre, le ministre recommande le jeune homme au colonel, lui rappelant qu'il est là de sa propre initiative et que si on doit lui faciliter l'observation des opérations, il ne doit en aucun cas participer activement à celle-ci. On peut lire à la fin de la lettre écrite par Cambridge « C'est un excellent jeune homme, plein d'esprit et de courage et comptant beaucoup de vieux amis parmi les cadets de l'artillerie. Ma seule crainte est qu'il soit trop courageux. » Funeste pressentiment. Mais le prince fait le siège de l'état-major pour obtenir d'être envoyé sur le théâtre des opérations. Chelmsford, qui a d'autres préoccupations, finit par céder, mais l'affecte à sa propre équipe de commandement. Ainsi, il le garde à proximité et pour faire essentiellement des relevés topographiques. Le prince est l'incarnation parfaite du jeune officier, on a envie de lui faire plaisir et il ne tarde pas à convaincre son officier supérieur, le colonel Harrison, de l'autoriser à effectuer des patrouilles en territoire ennemi. Il est alors affecté au service de reconnaissance. Le 19 mai, il participe à la patrouille du major Beddington. Quand quelques Zoulous attaquent, le prince s'illustre par son sang-froid et par son courage. Il charge avec ses camarades le sabre au poing, les Zoulous sont dispersés. En l'honneur de l'attitude de son attitude, le Kraal, le village Zoulou, qu'ils viennent de traverser, est rebaptisé le Kraal Napoléon. Louis écrit à sa mère le 21 mai, « Je viens de rentrer de reconnaissance. Nous avons été 6 jours absents. Quelques coups de feu ont été tirés de part et d'autre, mais rien ne s'est passé de sérieux. Nous sommes restés 20 heures sur 24 en selle. »
Mais les choses vont devenir plus sérieuses. Le 31 mai, Lord Chemsford commence la grande offensive contre le roi Zoulou, Cetewayo, et sa capitale, Ulundi. Les troupes anglaises doivent traverser la Blood River et Chemsford demande au colonel Harrison de lancer des missions de reconnaissance pour installer le campement des troupes. Harrison ne voit pas de danger particulier et accepte que le prince impérial participe à cette mission durant laquelle il doit à nouveau faire des relevés topographiques. La patrouille de reconnaissance doit être composée de 6 soldats anglais et de 6 éclaireurs Basutos, une tribu soumise par les Anglais. Et elle doit être commandée par un officier expérimenté, lequel commandait la patrouille durant laquelle le prince est brillamment illustré, le fameux Major Bellington. Malheureusement, celui-ci a déjà été engagé dans une autre expédition. On désigne donc un autre officier pour commander la patrouille, Chalil Brenton Carey, un officier qui manque d'expérience. Il a juste 31 ans, vient tout juste d'être nommé capitaine et il n'est arrivé en Afrique du Sud que depuis un mois et demi. Quand il va prendre ses ordres auprès du colonel Harrison, celui-ci ne manque pas de lui dire tout de même « You will look after the prince ». Le 1er juin, le prince excité et joyeux écrit une dernière lettre à sa mère. Il a le temps car les éclaireurs Basutos ne sont pas encore là et d'ailleurs, ils n'arriveront jamais. « Chère maman, je vous écris à la hâte sur une feuille de mon calepin. Je pars dans quelques minutes pour choisir le lieu où la 2e division doit camper sur la rive gauche de la Blood River. L'ennemi se concentre en force et un engagement est imminent d'ici 8 jours. Je ne sais pas quand je pourrai vous donner de mes nouvelles car les arrangements postaux laissent à désirer. Je n'ai pas voulu perdre cette occasion pour vous embrasser de tout mon cœur. Votre dévoué et respectueux fils. Cette lettre sera la dernière. » Vers 9h du matin, la patrouille quitte le camp avec juste un guide indigène. Le prince Louis-Napoléon n'a plus que quelques heures à vivre. La patrouille est composée au final du capitaine Carey, du sergent Willis, du caporal Krub et des soldats Abel, Cochrane, Rogers et le Toc. Nous allons voir que dans quelques heures, ils vont être attaqués, mais je vous raconterai ça la prochaine fois. Alors, je reçois aujourd'hui l'historien Jean-Paul Besse, qui vient de nous donner un ouvrage, « Le grand-duc Nicolas, tsar ou régent », publié aux éditions Via Romana. Alors, Jean-Paul Besse est un historien spécialiste du monde de la Russie, du monde orthodoxe, qui a également publié des ouvrages consacrés à l'histoire de la Picardie, qui est également un spécialiste d'histoire religieuse. Il s'est penché notamment sur le catholicisme dans le Limousin du XVIIe siècle. Aujourd'hui, il nous parle donc du grand-duc Nicolas, tsar ou régent. Alors, pour le public français, évidemment, le grand-duc Nicolas, même si nous sommes dans la période qui suit immédiatement le centenaire de la Première Guerre mondiale, à vrai dire, ça ne dit pas grand-chose. Alors, qui est ce grand-duc Nicolas, personnage tout à fait passionnant. Je recommande particulièrement cet ouvrage, remarquablement bien écrit de plus, qui nous présente donc une figure particulièrement attachante de cette Russie tsariste sur le point de disparaître. Alors, qui est-il, ce grand-duc Nicolas? Je dirais dans une perspective dynastique. Comment peut-on le présenter? Sur le plan dynastique, il est le petit-fils du tsar Nicolas Ier, qui est mort, je dirais, au moment ultime de la guerre de Crimée. 1855. Oui. Le grand-duc Nicolas naît un an après, donc dans cette Russie traumatisée par ce conflit qui, à ses yeux, était totalement injuste. Et il est le fils à la fois d'un fils de Nicolas Ier, c'est-à-dire le grand-duc senior Nicolas Nikolaïevitch, déjà, et d'une princesse d'origine allemande, qui est une Oldenbourg, qui, certes, vient d'une famille qui s'est installée en Russie, mais qui est extrêmement russifiée, et qui même s'est convertie à l'orthodoxie pour épouser un membre de la famille impériale. – Alors, cette
personnalité, sa mère, c'est quelqu'un de très important, puisque c'est même une sainte pour l'Église orthodoxe. Pouvez-vous nous en dire quelques mots de cette sainte Anastasie de Kiev ? Alors, de son nom d'origine, Alexandra Petrovna, elle est d'abord d'une originalité considérable, parce que même si elle se plie au rituel de la cour, et si elle est toujours disponible pour les bals impériaux, cette chose-là ne l'intéresse guère. D'une part, elle se voue à l'éducation de ses deux fils, Nicolas Nikolaevitch, donc junior, et son frère cadet Pierre, et surtout, elle se voue à une sorte, on pourrait dire, d'imitation du Christ évangélique, en voyant dans chaque malade, dans chaque miséreux, l'image du Christ, qu'il faut secourir. Et donc, quand elle est encore aux côtés de son époux à Saint-Pétersbourg, elle fonde sur l'île Vassilievski, qui à l'époque était mal fréquentée, elle fonde des asiles pour les miséreux et toutes sortes d'organisations charitables. Elle finit d'ailleurs par créer, à travers toute la Russie, des orphelinats et des maisons d'assistance en tout genre, jusqu'au jour où son époux est elle n'ayant plus finalement de vie véritablement commune, il accepte qu'elle parte à Kiev. Et là, elle va fonder un monastère, mais un monastère d'un type nouveau, un monastère qui aura une intense activité charitable pour la population de cette grande ville en pleine expansion, puisque c'est la révolution industrielle qui arrive en Russie, et par conséquent, il y a la prolétarisation d'une partie de la paysannerie et toutes ses conséquences. Et donc, ce monastère, qui existe à nouveau maintenant, va être levé en fort peu d'années. Elle va recevoir des dons d'abord de la famille impériale, évidemment, mais également de beaucoup d'admirateurs de cette œuvre spirituelle et de l'épiscopat. Et avec une originalité là aussi, il y a peu de véritables moniales. Il y a en revanche des centaines de sœurs converses qui travaillent dans les différentes dépendances du monastère, le réfectoire, la cordonnerie, les écoles d'instruction professionnelles, et ainsi de suite. Alors donc, Nicolas est le fils d'une personnalité d'exception. Comment va-t-il passer ses premières années d'enfant et d'adolescent ? Il se révèle très vite très prometteur, je crois. – Il se révèle très vite très prometteur. Il a un caractère beaucoup plus affirmé que son frère cadet, qui est beaucoup plus réservé et qui sera toujours dans son ombre, une ombre bienveillante d'ailleurs. Et lui a un caractère non seulement plus affirmé, mais une sorte de volonté et d'impétuosité qui lui ont fait beaucoup d'ennemis d'ailleurs, non seulement pendant sa jeunesse, mais ensuite pendant une bonne partie de sa carrière. – Et puis, je crois qu'il a, un charisme, une allure. – Il a un charisme, une grande allure. – Un géant d'1m90, cavalier d'exception. – Voilà, c'est ce que Poincaré avait immédiatement remarqué en le rencontrant pour la première fois, le général Joffre également. Car si j'ai écrit ce livre, c'est aussi pour rappeler aux Français qu'il a été notre meilleur allié à la tête de l'armée russe en 1914-1915. Il nous a aidé à sauver la France, pour ne pas dire qu'il l'a sauvée. – Bien sûr. Alors, ce personnage, il va grandir dans une Russie, vous l'avez dit, qui vient d'être humiliée lors de la guerre de Crimée. Voilà. Il faut rappeler que les Français et les Anglais sont venus soutenir l'Empire ottoman contre les ambitions russes en mer Noire, ce qui n'a pas été sans conséquences ultérieures, et ce qui témoignait surtout du suivisme de la politique française par rapport à Londres,
à l'époque. Hein. Il va très vite s'orienter, presque naturel et automatique dans la famille impériale, vers la carrière militaire. Absolument, vers la carrière militaire. Il va être à l'Institut Nicolas, qui était une école de haute formation militaire. Il va bien réussir. Il n'est pas le meilleur, mais il est dans les trois meilleurs de l'Institut. Son nom sera même gravé à l'issue de ses études sur une plaque de marbre avec celle de ses deux camarades qu'il précédait à l'entrée de l'Institut. Donc très vite, tout de même, il est remarqué par l'empereur et il est admiré. Il noue des liens avec des généraux qui étaient assez remarquables, qui le reçoivent chez eux, qui convient chez eux aussi les meilleurs éléments parmi les officiers supérieurs qui connaissaient la stratégie et la tactique de l'armée, qui connaissaient aussi les armées européennes, puisqu'il va y avoir l'occurrence de la guerre de 1870 et la terrible défaite française. Et donc tout cela va amener le grand-duc Nicolas à méditer sur ce qu'il faudrait faire en Russie pour moderniser l'armée russe, et surtout la cavalerie, parce qu'il est un cavalier exemplaire, comme son père d'ailleurs, qui avait été l'inspecteur général de la cavalerie russe, mais avec un sens beaucoup plus aigu de la modernisation à lui imposer. – La modernisation nécessaire. – Voilà. Donc un chef militaire qui s'impose très vite comme une figure d'envergure, voire une figure d'exception. Alors on va le marier à une princesse monténégrine, tout comme son frère Pierre d'ailleurs. Hein. Oui, beaucoup plus tard. Ouais. C'est son frère Pierre qui s'est marié le premier avec une princesse qui était la fille du prince régnant du Monténégro, le fameux Nicolas, qui se proclamera roi à l'issue d'une guerre balkanique supplémentaire. Bon, mais ce mariage avec la sœur de celle qui est devenue sa belle-sœur va tarder, car Nicolas Nikolaïevitch était passionnément épris de la fille d'un marchand, d'un très gros négociant, il faut dire, mais d'un marchand. – Une mésalliance. – Et voilà, il était impossible à Alexandre III d'accepter cette union. C'était un véritable traumatisme pour le grand-duc Nicolas Junior. – Et alors ces princesses monténégrines, elles vont jouer un rôle non négligeable à la cour de Russie, dans le sens d'un militantisme francophile. – Alors, ce sont des militantes francophiles, ce sont des panslaves passionnés, et avec une dérive dans le domaine de l'occultisme chez les nés des deux sœurs, c'est-à-dire Militsa, qui a épousé le grand-duc Pierre, qui, elle, raffole de tout ce qui est tibétain et de tout ce qui est extraordinaire, et qui va donc mettre en contact le grand-duc, qui n'est pas encore l'époux de sa sœur, et Raspoutine. Voilà comment celui qui a joué le rôle que l'on sait entre dans ce cercle étroit de la famille impériale. – Oui, parce que le grand-duc, finalement, au départ, est pour quelque chose dans l'arrivée de Raspoutine à la cour. – Absolument. Je crois qu'ensuite il sera lucide sur les aspects catastrophiques de cette intrusion. – Absolument. – Mais au départ, il y est pour quelque chose. Alors, ce grand-duc, il est confronté à une Russie, à une situation qui évolue très vite et de manière dramatique à l'époque, hein, puisque nous allons connaître la révolution de 1905, la pré-révolution de 1905, dans le contexte de la défaite subie au cours de la guerre russo-japonaise, à laquelle il a participé en Extrême-Orient. Disons qu'il a essayé de conseiller Nicolas II, qui s'était lancé tête baissée sur les injonctions d'un certain cercle militaire très mal informé et très affairiste. Il a essayé de corriger cette optique et il a essayé aussi de maintenir l'ordre, la révolution ayant débuté dans la capitale et à Moscou, ce qui n'était pas une petite affaire. Et ensuite, de pacifier la Sibérie, qui était en pleine anarchie.
Et par conséquent, c'est là d'ailleurs qu'il rencontre le général von Rinnenkampf, qu'il va utiliser pour anéantir les bandes rouges, mais aussi polonaises, qui s'activaient en Sibérie, où elles avaient même établi une sorte d'État soi-disant indépendant. Rinnenkampf qui sera, avec Samsonov, l'un des vaincus de l'automne 1914, la fin de l'été. D'abord un vainqueur et ensuite un vaincu. ultérieurement. Il est confronté donc à la révolution de 1905. Quelle est sa réaction vis-à-vis de cette mise en cause, en quelque sorte, du régime tsariste ? Est-ce qu'il mesure les déséquilibres, les insuffisances dont souffre l'Empire, ou est-ce qu'il est sur une posture, une position strictement réactionnaire ou conservatrice ? Il est au départ sur une position totalement réactionnaire. Il est très profondément attaché à l'autocratie, il a été élevé dans cet esprit par son père et sa mère. Il est très attaché à son neveu, le tsar Nicolas II, qui a été son élève dans la cavalerie et donc il connaît très bien, qu'il respectera toujours d'ailleurs, tout en le critiquant en tête à tête, de façon virulente. Et Nicolas II, qui se sentait inférieur à sa tâche, lui a demandé de devenir un dictateur militaire provisoire pour rétablir l'ordre dans le pays. Ce que en 1905, ce que le grand-duc Nicolas n'a absolument pas voulu. Ouais. C'était une position qui l'enfermait, en quelque sorte, qui lui donnait un rôle extrêmement négatif, qu'il refusait. Et c'est pourquoi il a contribué, certes, à rétablir l'ordre, mais pas au sens… Il a encouragé le manifeste par lequel le tsar acceptait la création d'une Douma pour sortir de la crise. Ça, ce sont ses liens avec le comte Witt, le célèbre ministre. Oui. Et ce sont ses rencontres aussi, car le grand-duc Nicolas avait un esprit extrêmement ouvert et acceptait de rencontrer des gens de milieux différents et d'idées totalement même opposées. Il va rencontrer donc, je ne sais pas si on peut dire des chefs révolutionnaires, chef révolutionnaire extrêmement modéré et attaché tout de même aux libéraux. On maintient de la monarchie, en faisant des concessions, notamment sur le plan constitutionnel. Et il va, de façon fracassante, imposer à l'empereur qui refusait d'accorder une constitution le fait de signer cette fameuse loi constitutionnelle de 1905 qui va créer la Douma un régime représentatif. Donc il avait intégré l'idée d'une réforme nécessaire, progressive du système. Alors les années qui suivent sont marquées, surtout quand on suit son parcours, par l'intérêt qu'il porte à la France et à l'Alliance française qui s'est constituée, on le rappelle, au début des années 1890, une alliance de revers face à une Allemagne surpuissante à l'époque. Il est l'un des partenaires privilégiés de la France en Russie. Plus en Russie qu'un partenaire, un partisan. Un partisan. Passionné. Ce qui se double chez lui d'une germanophobie, surtout à l'égard de Guillaume II, qu'il déteste alors personnellement, mais qu'il est souvent obligé de recevoir à Pétersbourg. Et donc, cette passion pour la France, cette admiration, qu'il a contractée dès ses jeunes années, d'ailleurs, au cours de voyages à Paris et sur la Côte d'Azur, avec une étude approfondie de la langue française, des rencontres avec déjà en 1902 le président Loubet, par exemple, va l'amener à faire des séjours fréquents ici, à rencontrer des officiers de la direction de l'état-major français et à pousser Nicolas II à un approfondissement de cette alliance. Alors cette alliance franco-russe, on le sait, elle va déboucher sur l'engagement de la Première Guerre mondiale. C'est la Russie qui est à l'initiative, en quelque sorte, au départ, avec le soutien qu'elle apporte à la Serbie après l'attentat de Sarajevo, avec sa décision de mobilisation générale qui entame tout l'engrenage qui mène en l'espace de quelques jours à la guerre.
guerre. Et c'est le grand-duc Nicolas qui va être amené à commander les forces russes. qui sont tournés vers l'ouest contre les Allemands. C'est le fameux rouleau compresseur russe sur lequel les Français comptaient tant. Hein, la presse française titrant les Cosaques à deux jours de Berlin au mois d'août 14. Mais les choses ne vont pas se passer aussi bien que cela au départ. – Non, pour une raison d'ailleurs… qui durait depuis quelques années, il y avait une partie de l'état-major qui était hostile à cette alliance française, qui était favorable à une alliance allemande, partie qui était représentée par le ministre de la guerre sous Komlinov, qui était un personnage assez odieux et incapable, mais qui avait réussi à renforcer, disons, ce courant, ce qui avait amené d'ailleurs le grand-duc Nicolas à être mis en disgrâce par le tsar Nicolas II. À sa grande stupéfaction. C'est vraiment quand la guerre est inéluctable, après le second voyage de Poincaré à Saint-Pétersbourg pendant l'été 14, que Nicolas II comprend qu'il doit se tourner à tout prix vers Nicolas Nikolaevitch pour devenir commandant suprême de l'armée. Et par conséquent, pour faire absolument ce qui avait été décidé avec l'état-major français, notamment avec le général Joffre, une offensive militaire immédiate, ou en tout cas la plus rapide possible, à l'est, pour sauver... – Pour soulager le pour front soulager, français. On peut dire pour sauver. Dans le contexte de la mise en œuvre du plan Schlieffen allemand, qui prévoit une offensive éclair contre la France avant que l'Allemagne ne se retourne contre la Russie. – Et pour compenser le sous-armement français sur le plan de l'artillerie. – Oui, notamment. – Et là, malheureusement, il y avait un point commun entre la France et la Russie. La Russie, en dépit de tous les efforts du grand-duc Nicolas, notamment dans le domaine de la modernisation, n'avait pas réussi à pourvoir l'armée russe d'une artillerie et des moyens de transport ferroviaire qu'avait pourtant réclamé très souvent le général Joffre. – Oui, bien sûr, les Français insistaient beaucoup sur les capacités en matière ferroviaire des Russes. – à travers la Pologne russe notamment. – Parce que ça commandait effectivement le succès de leurs offensives. Alors les choses donc se tournent mal, les deux défaites successives de Tannenberg et puis ensuite des lacs masuriques, l'offensive russe donc s'arrête. En 1915 même ce sont les Allemands qui prennent l'initiative à l'Est et qui remportent des succès et avancent notamment en Pologne, dans la Pologne russe. Comment le tsar va-t-il réagir par rapport à tout cela? C'est une situation qui va se révéler fatale quelque part pour le grand-duc Nicolas. – Alors je crois qu'il faut, rappeler tout de même que tout a très bien commencé avec la victoire de Gumbinnen, avec ensuite l'autre succès qu'aura von Rinnenkampf, mais ce seront des succès sans lendemain. Et par conséquent, au départ, il y a une espèce d'enthousiasme national en Russie, des manifestations de loyalisme extraordinaires. Il y a la conquête sur les Autrichiens, assez facile de la Galicie, et par conséquent un ensemble plutôt optimiste qui réjouit Joffre d'ailleurs ici, qui le consigne dans ses carnets, et puis voilà que tout tourne mal à l'hiver, à 1914, 1915, et von Mackensen va porter un coup fatal, précédé par ceux de Ludendorff, évidemment, et d'Hindenburg. Enfin, c'est vraiment von Mackensen qui porte le coup fatal au mois d'avril-mai 1915 et qui oblige l'armée russe à ce que le grand-duc lui-même avait appelé la grande retraite. On allait imiter donc Kutuzov face à Napoléon, on allait faire retirer les troupes russes de plusieurs centaines de kilomètres, alors avec tous les problèmes d'intendance et les problèmes de transport des populations civiles. Sachant que les capacités de transport ne sont plus celles de l'époque de Napoléon. Du tout. Et que l'offensive des centraux peut se développer beaucoup plus rapidement.
rapidement. Absolument. Et alors la perte des grandes villes polonaises, Lodz d'abord, ensuite Varsovie, ça, ça crée une situation… – Un électrochoc. – Un électrochoc. – L'esprit des dirigeants. – Absolument. Et donc le tsar Nicolas II, qui avait l'ambition depuis une époque déjà très ancienne, de prendre la tête de l'armée pour se sacrifier personnellement au premier rang des soldats dans les tranchées. C'était aberrant, mais c'était ainsi. Poussé par l'impératrice qui, comme vous le savez, voue à Rasputin un culte hindu, et qui rêve d'écarter le grand-duc Nicolas, qu'elle trouve trop arrogant et trop impétueux, tout cela fait que le grand-duc est destitué et remplacé officiellement par le tsar lui-même, ce qui effare complètement l'état-major français. Alors, le grand-duc Nicolas a pu prendre quelques… – Celui qui va succéder, c'est le général Alexievitch. – Voilà, il a pu prendre quelques précautions et obtenir de Nicolas II que le général Alexeiev, qui était une grande capacité, pût en quelque sorte le remplacer sans le titre. Cela dit, Nicolas II, pendant ce temps, commet l'autre erreur, il se fixe lui-même sur le front, donc il laisse la capitale, finalement, à l'agitation de plus en plus révolutionnaire, et au caprice de la Douma, et par conséquent, il crée la situation irréversible, qui sera celle qui de 1916 et 1917. – Mais alors, entre-temps, le grand-duc Nicolas a retrouvé une mission qu'il va accomplir brillamment sur le front du Caucase, parce qu'on l'a écarté en direction du Caucase, mais ça va être tout à fait heureux pour le succès des armes russes. – Il écrase les troupes ottomanes à plusieurs reprises, il prend Erzurum, il prend ensuite Trébizonde avec une opération extraordinaire qui est une opération à la fois maritime et terrestre, ce qui était quand même une des premières de ce genre à l'époque. Et donc les Turcs sont écrasés malgré une supériorité en effectifs et en armement, d'ailleurs armement croupe évidemment, qui était effective. Il intervient en Perse où il y avait tout un parti pro-allemand. Il s'empare de la ville sainte de Kob par exemple, qui est une des villes saintes du schisme, et d'Amadan également. Il essaie de se coordonner avec les Anglais qui débarquent sur le sud du golfe Persique. Enfin, tout ça est tout à fait remarquable. Mais la révolution a éclaté. La révolution a éclaté en février 17. Voilà. Et l'empereur, ayant compris qu'il avait commis une énorme erreur en prenant la tête de l'armée, et n'étant pas mort à la tête de ses troupes non plus, comme il espérait, nomme à nouveau le grand-duc Nicolas comme commandant suprême. Le gouvernement provisoire l'y maintient quelques jours, mais sous la pression notamment de Kerensky, le prince Lvov l'écarte définitivement. – Le prince Lvov l'écarte, d'accord. Et à ce moment-là, quand le tsar a abdiqué en faveur de son fils, le jeune tsarevitch Alexis, qui a les, comment dire, la maladie que l'on sait, qui est donc est fragile, eh bien, on songe à lui un temps pour assurer la régence. – Mais le problème pour le grand-duc Nicolas et pour beaucoup de membres de la famille impériale et même de l'armée, c'est qu'il n'a pas abdiqué en faveur du tsarevitch, comme on le pensait. Oui. Il a abdiqué en faveur de son frère, Michel, qui était phallo. L'impératrice mère elle-même disait « Mais Michel est pire que Nicolas. » Ah oui. Et par conséquent, Michel n'a pas accepté la couronne. Il a dit « Nous ferons ce que voudra la Douma. » Et par conséquent, c'était une fin en quenouille de la monarchie russe. – Il n'était pas en phase avec la situation. – Absolument. Et donc, à ce moment-là, il y a plusieurs cercles qui poussent le grand-duc Nicolas à s'affirmer sur le plan politique et à prendre la tête. Mais il y aura un concours de circonstances et je pense un profond doute dans l'âme du grand-duc Nicolas sur cette mission. Tantôt il y croit, tantôt il en désespère et finalement il ne fait rien. Alors, nous devons nous arrêter maintenant, mais l'histoire n'est pas terminée pour autant, parce qu'il y a tout le rôle que va pouvoir jouer le grand-duc Nicolas dans le contexte de la guerre civile. Ensuite, il sera dans l'immigration, dans l'exil, l'une des figures les plus en vue de cet exil des Russes blancs. Je vous renvoie pour cela donc à l'ouvrage de Jean-Paul Besse, Le grand-duc Nicolas, tsar ou régent, aux éditions Via Romana. Je vous remercie. Jean-Paul Besse.